46 in college Ave, where I was raised. Spent my days counting sun rays. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monkey Tony. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 de la semaine. Et sur ce top 10, franchement, j'ai reçu du assez lourd, donc je suis assez content. J'ai reçu en plus de 10 clips, encore une fois, comme la semaine dernière. J'ai reçu à peu près 12-13 clips, donc ça fait super plaisir que vous participiez, plus qu'avant en tout cas. Parce qu'en plus, là, bientôt, c'est la saison 4. Et qui dit saison 4, pour ceux qui le savent, dit aussi la saison où je reprends les top 10 à thème. Je veux réessayer. Alors, pour ceux qui étaient là à l'époque, j'avais fait des top 10 par thème. Donc c'est-à-dire je donnais un thème, par exemple Cog, et vous m'envoyez par exemple des stunts avec en moins un Cog dans le stunt, et je l'ai classé sur le top 10. Donc il y en a beaucoup qui m'ont réclamé de refaire ça en fait. Donc je vais le refaire pour la saison 4, je vais essayer. Si je reçois pas assez de clips, je retournerai au top 10 de la saison 3, comme là, où vous m'enverrez des stunts au hasard. Et je les prendrai et je les classerai. Et si ça marche bien, je continuerai. Mais pour ça, faut que vous participiez. Et vu que c'est bientôt la saison 4... je préfère. Après, sur la saison 4, par exemple, si le thème c'est Cog et que vous avez déjà des stunts rentrés, en gros, c'est pas un challenge. C'est pas genre pendant une semaine, vous devez faire un stunt avec un Cog. Si vous avez déjà un stunt que vous m'avez jamais envoyé avec un Cog, ça marche aussi. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut-être marcher. Donc on verra ça pour la saison 4. Je vous en dis pas plus. Et sans plus tarder, on commence à la 10ème place. En 10ème place, on commence avec Bilox010 qui va nous faire un stunt rien d'impressionnant, mais il a jamais été fait, donc je l'ai classé 10ème. Il va faire un petit frame boost pour aller sur la terrasse. Voilà, bien joué à toi pour cette 10ème place. En 9ème place, on continue avec Nippies qui va nous faire un stunt qui a déjà été fait, c'est pour ça que je l'ai classé 9ème. Il va faire un wall glitch pour faire un side ride sur ce parasol. Ouais, je pense un parasol. Bien joué à toi pour cette 9ème place. En 8ème place, Zozomania qui aurait pu faire un stun vraiment très stylé s'il l'avait fait en clean, mais malheureusement il est pas très clean. Il va faire le board to bump et il va enchaîner le reverse cock qui est vraiment pas très clean. Mais en tout cas, le stun était bien trouvé, bien joué à toi pour cette 8ème place. En 7ème place, nous avons Trax qui va utiliser l'aide de cet avion, le jet privé il me semble, qui va se coincer en fait entre le réacteur et le milieu de l'avion pour se faire envoler tout simplement. Et là il va commencer à sauter pour faire le wall ride, mais je pense que ça a déjà été fait. Je sais pas si c'est lui qui l'a fait en premier, mais je sais pas, dites-moi dans les commentaires. En tout cas, très original je trouve, bien joué à toi pour cette 7ème place. En 6ème place, Norful BMX qui va faire plusieurs topis à l'aéroport pour enchaîner le reverse DJ Flop que j'ai sorti dans le Team Tash 5 Extreme Slide et qui a malheureusement lost. Il a pas pu le sortir avant moi, je suis vraiment désolé pour toi Norful. Regardez, il va le faire super clean, il va faire le flop tout reverse DJ, il va enchaîner le reverse DJ vraiment très clean. Bien joué à toi pour cette 6ème place. Yeah. On arrive à la moitié de ce top 10 avec Bipingouin qui va faire le reverse cog sur la remorque du train pour faire un bump et faire un petit reverse cog à la fin. Vraiment magnifique stun, je trouve. Il était obligé d'attendre le train pour faire le stun, donc c'est assez compliqué je pense. Bien joué à toi pour cette 5ème place. En 4ème place, nous avons Frost avec un stunt un peu street, voilà, pour changer. Mais c'est un peu le style de Frost, voilà, il fait plus du street. Regardez, il va faire le glide tout board sur le rebord vert ici. Mettre un petit ralenti pour bien voir la beauté des choses. Et ensuite, il va enchaîner un reverse bump pour enchaîner un board sur cette barre. Il va rebumper pour faire un mini board. Vraiment magnifique stunt, magnifique combo. Bien joué à toi pour cette 4ème place. Pour la médaille de bronze, nous avons CM Billy à côté de cette villa qui va faire un handle sur cette barre pour faire un petit jump en chute libre pour faire le side ride. La hauteur est vraiment impressionnante et puis il va continuer le side ride sur cette butte de terre pour enchaîner le board sur l'autre barre à côté de la villa. Vraiment magnifique combo, j'ai trouvé ça plutôt original. Bien joué à toi pour cette 3ème place. En 2ème place, médaille d'argent pour Ewoz, le stun que vous connaissez tous. Team Tash 5 Extreme Slide, il va faire le frame mood ici pour faire le wall ride précis qui est vraiment très précis, hein, on va pas se le cacher. Plus précis que ça, c'est quand même très rare.
Il est vraiment très fin le mur. Pour faire un front bounce et enchaîner le trid, super précis aussi, pour enchaîner le petit board. Bien joué à toi pour cette deuxième place. Et le gagnant de cette semaine, c'est bien évidemment Krakra, c'est Kraki, c'est Krakote, c'est Kratos, mesdames et messieurs, avec un stun que vous connaissez tous, comme vous l'avez vu sur la miniature et sur le titre, un stun que vous avez vu sur le TT5 Extreme Slide, c'est Kratos avec son stun à la part à 400 000, qui va faire un board, un petit fuck pour enchaîner un 360 tout wall ride, il va faire le mini glide pour enchaîner le cog super clean et assez long, on va pas se mentir, pour enchaîner encore une fois le frame boots, pour enchaîner encore un frame boots. Pour enchaîner le reverse cock et enchaîner le framboise et le handle, putain, mais ce mec s'arrête jamais, comme vous le dites dans les commentaires. Ce mec est un extraterrestre, il vient d'une autre planète. Bien joué à toi pour cette première place. Et voilà, c'est déjà la fin de ce top 10, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros like, un commentaire et à partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. Je vous remercie à tous pour les 6000 abonnés, je les ai atteints et franchement je suis super content, merci à tous. N'hésitez pas à m'envoyer aussi des stuns pour la semaine prochaine. Au début de la vidéo j'ai parlé de la saison 4, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas encore la saison 4. Je vous préviendrai quand ça sera la saison 4. Pour l'instant envoyez-moi des stuns comme d'habitude, quoi, des stuns ce que vous voulez. Et pour ça vous pouvez me les envoyer par message privé YouTube, pour ça vous allez dans ma chaîne, dans à propos de, dans envoyer un message et vous mettez le lien dans le message. Sinon pour les amis, je vous invite à me les envoyer sur Skype, ça sera plus pratique. Et pour tout le monde, encore une fois, vous pouvez me l'envoyer aussi par mail pour ceux qui ne peuvent pas envoyer par message privé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi, je vous dis ciao tout le monde.